remercie d'être venu aujourd'hui. Vous savez que c'est une conférence que vous attendiez depuis longtemps. Nous allons parler des minéraux. Voilà. Alors, je connais Marco. C'est un spécialiste dans les minéraux. C'est sa passion. Il vit là-dedans. Et il va nous faire une très belle démonstration de tous les minéraux qu'il a apportés. Il y en a au moins 30 kilos, là, ou 40 kilos, je pourrais. Voilà, une centaine de minéraux qui va vous expliquer leur qualité, leur qualification, à quoi ils servent, comment vous pouvez les employer, etc. Et vous savez que chaque minéraux a un pouvoir thérapeutique. Donc, c'est à suivre, c'est à expérimenter, c'est à étudier. La lithographie est une très bonne science que j'aime beaucoup et même moi je l'utilise puisque je me sers des cristaux de roche que je me mets un peu de partout quand j'ai des bobos. Voilà, donc je vais laisser la parole à Marc. Bon, ben merci Monique et bonjour à tout le monde. Et je remercie Monique Gras de l'association de la prosthésie de Salon de Provence, 13300. Et vous, donc vos adhérents, vous, à chacun d'entre vous de me faire l'amabilité de m'inviter, et c'est gentil de votre part. Bon, c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de prestations, mais pour partager le savoir, pour essayer de vous proposer un peu quelque chose qui me passionne, c'est vrai la lithothérapie, le soin avec des cristaux, ou le soin avec des pierres précieuses ou semi-précieuses, entre autres. C'est vrai que ça me fait plaisir d'être un peu votre invité aussi chez vous, et merci à chacun d'entre vous. Voilà, donc pour vous présenter quelque chose de sommaire, entre guillemets, avant, art, communication, esprit, l'association que je représente un peu pour la lithothérapie, le Reiki, la PNL, la programmation neurolinguistique, entre autres, la philosophie et la communication. Donc c'est un peu ce que je représente et effectivement, c'est pour ça que je suis là. Je suis Marco et merci de m'accueillir. Voilà, donc simplement pour vous dire, dans les cristaux, c'est moins une conférence, plutôt une approche, parce qu'on est plus dans le ressenti. Je pense que c'est prioritaire, moins intellectualisé, plutôt évité, mais être plus dans le ressenti, être plus dans la passion, être plus à l'écoute et dans le respect. C'est vrai que c'est important, ce respect des cristaux, parce qu'ils ont, c'est vrai, un pouvoir entre autres de guérison, un pouvoir de soulager, un pouvoir de calmer, un pouvoir de régénérer aussi à certains moments. Alors c'est vrai que le travail du lithothérapeute, si je peux me permettre, là pour moi c'est plus une passion, j'ai une vie professionnelle ailleurs, donc je garde mon devoir de réserve, mais là je suis en plus pour vous présenter ces cristaux, cette lithothérapie. Et effectivement, dans la lithothérapie, il y a un monde énergétique qui existe. Et effectivement, je vais vous présenter quelques petits cristaux pour faire un peu, presque un tour du monde sur un plateau, si je peux me permettre. Alors effectivement, on a pris une petite astuce technique. On filme le plateau. Nous sommes à peu près une dizaine, une quinzaine. Vous êtes autour. Et effectivement, ce live, ce direct est important, je pense, pour vous, comme pour moi d'ailleurs. C'est pour ça ce qui fait la richesse de la lithothérapie, c'est se mettre en relation avec les énergies directement. Effectivement, quelqu'un verra en vidéo, ils ne vont pas attraper trop d'énergie des cristaux. Donc, mais nous, on peut en percevoir plus facilement les énergies. Alors, quelque chose d'important, ces cristaux que je vous présente sont passés presque tous, quand ils le tolèrent, 7 jours dans le sel, c'est-à-dire ils sont purifiés. Certains ont été passés à la lumière de la lune, d'autres à la lumière du soleil, d'autres sur des macs d'améthyste, d'autres à l'encens, d'autres à la flamme de la bougie. Ils sont tous propres, c'est-à-dire que, pour vous dire, qu'ils sont tous prêts à être utilisés pour quelqu'un qui en aurait besoin. Alors, c'est vrai que je vous demande simplement, comme je demande à tout le monde, de ne pas les toucher, mais de percevoir les énergies. Vous serez à même de comprendre qu'une personne, bon, n'importe qui, dans notre journée, on change des énergies, on peut avoir des énergies pour se décharger sur quelque chose, mais vous avez des techniques pour ça.
eux, ils sont propres. À un moment donné, mon travail, entre guillemets, c'est pas un travail, c'est une passion, c'est de vous sortir le bon cristal ou la bonne pierre pour quelqu'un à un moment donné. C'est ce moment particulier, ce moment précieux, et c'est eux qui travaillent. Moi, je fais rien. C'est eux qui agissent. Le pouvoir des cristaux. Ils ont de l'énergie pour quelque chose, pour un soin, et ils vous communiquent ça. Mon travail, c'est de les garder propres et tout simplement de les laisser faire. Mais ça demande beaucoup. C'est comme vous en radiesthésie, oui. Est-ce qu'ils ont besoin d'être lavés? Alors, effectivement, effectivement, Marinette, ça a besoin d'être purifié. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont propres. Voilà. C'est pour ça qu'on ne les touche pas. Ouais. Mais si quelqu'un a besoin pour un moment, pour un soin, on fait une porte ouverte à Art, Communication Esprit une fois par mois. Sur le site internet, vous aurez des petites brochures à vous prendre si vous le souhaitez en fin de l'approche qu'on va vous faire sur les cristaux. Vous avez un site internet http://artcomesp.hébergratuit.com et vous avez les dates des stages. Donc, des portes ouvertes, et là, on vous fait un soin avec du Reiki ou de la lithothérapie, une approche de développement personnel sur un après-midi, sur 3 heures, par exemple, à la campagne. Et là, c'est un soin en lui-même. Mais là, mon approche, ma démarche aujourd'hui, c'est de vous en parler un peu, mais surtout synthétiquement. Alors, vous voyez, ici, il y a une petite tourmaline noire dans un macle de quartz. La tourmaline noire, je vous l'ai sortie en premier, c'est une pierre de protection et c'est un peu la première pierre qu'on approche en lithothérapie. C'est une pierre qui permet de vous ancrer dans la terre et d'avoir une protection justement pour pouvoir approcher d'autres pierres. Alors si ça vous intéresse la lithothérapie, je vous conseille de vous procurer une tourmaline noire. Bon là elles sont petites, ce sont des petites morceaux de tourmaline noire, on sortira au fur et à mesure d'autres. Et c'est une pierre de protection. Vous pouvez le percevoir, mais c'est dans l'invisible. Mais ça veut dire que ça existe. Vous me suivez ?